Séverine Garandeau-Martin, vice-présidente de Certif Pro. Max Roche, président de Certif Pro, association partenaire de l'UHFP. Certif Pro donc, est l'association tête de réseau des associations de transition pro créée par les partenaires sociaux en 2019, qui a vocation d'animer le réseau des transitions professionnelles. Certif Pro est propriétaire des certifications CLEA, donc en fait des certifications paritaires qui effectivement est sur les socles de base dans les domaines numériques et de management. Il était naturel d'être bien présent sur ces universités d'hiver afin effectivement déjà de promouvoir les différents dispositifs et actions du réseau des transitions pro et l'action de Certif Pro, mais aussi pour échanger avec l'ensemble des partenaires que nous avons le plaisir de croiser dans les allées de cette université. À très court terme, d'abord, il s'agit de mettre en œuvre la réforme de la VAE à partir de l'expérimentation réalisée l'année dernière et qui a donné satisfaction. Et puis plus généralement, prendre en compte le projet de réforme de la formation professionnelle, de l'adaptation de la loi de 2018 qui va être lancée donc, par l'État et auquel, donc, en tant que Certif Pro et partenaires sociaux, nous avons vocation à apporter notre contribution, notre expérience et de nos idées. Donc tout cela sera fait dans le cadre du premier semestre 2023. Également, des enjeux au niveau du réseau, de consolider, de continuer à faire ce travail de fédération, d'harmonisation des bonnes pratiques au niveau des réseaux, des transitions pro. Donc beaucoup de défis et de challenges en 2023.